Bonjour à tous, voilà une étape qui devrait ravir les puncheurs. Avec une arrivée jugée au sommet de la glacerie, une côte de 2 km à 6,5% de pente moyenne, il y a fort à parier qu'ils feront tout pour ne pas se faire surprendre par les échappés. Aujourd'hui, ça devrait être une course de mouvement. Le profil est assez accidenté, donc ça risque de beaucoup bouger. Oh, celui-là, il a des fourmis dans les jambes. Il est déjà à l'attaque. Attention à lui, c'est un véritable puncher qui peut s'imposer sur n'importe quelle arrivée en bosse. Mais il peut aussi compter sur sa pointe de vitesse en cas d'arrivée groupée. Les échappés creusent l'écart. Ils ne sont pas dangereux au général, on peut laisser filer. En fait, c'est un bon sprinter, souvent utilisé comme poisson pilote pour emmener les sprints massifs. Il tente de former une contre-attaque. Allez, Ryder ! Il a des ambitions pour le maillot à pois. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. Classement grimpeur dans 2 km pour l'échapper. Écart stabilisé. Voilà le classement du dernier grimpeur. On peut le classer parmi les punchers, mais il a aussi un bon niveau en montagne. Par contre, niveau pointe de vitesse, c'est un vrai fer à repasser.
Voilà un pur rouleur. Attention à ne pas le laisser seul devant. Il sera difficile à rattraper et il vaut mieux pour lui arriver seul. Au fil des années, Joaquin Rodriguez s'est fait une spécialité de gagner sur les pentes à fort pourcentage. Il fait partie des meilleurs punchers. Attention à ses attaques. Keep going, keep going. Devant, c'est le mieux placé au général. Il y aura un point à prendre pour le maillot à poids en haut du prochain grimpeur. Dans le groupe de tête, c'est lui le mieux placé pour le classement par points. Les échappés creusent l'écart. Ils ne sont pas dangereux au général, on peut laisser filer.
Classement grimpeur dans 2 km pour l'échapper. Une nouvelle côte approche pour la tête de course. Une fois encore, il y aura un point à marquer pour le classement du Grand Prix de la Montagne. Voilà le classement du dernier grimpeur. Chicos, ánimo. L'écart diminue, le peloton n'a pas abdiqué. Les deux prochains grimpeurs sont classés en quatrième catégorie. Il n'y aura donc qu'un point à prendre en haut de chaque difficulté. Allez, c'est le bon.
Il faut constamment essayer de s'abriter du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. C'est ce qui permet de faire la différence en fin de course. C'est l'équipe du maillot jaune qui assure la poursuite de l'échappée. N'oubliez pas de protéger le leader, les gars. La communication est importante. L'oreillette est là pour ça. L'avance de l'échappée diminue. Ça va être difficile pour eux. Classement grimpeur dans 2 km pour l'échapper. Voilà le classement du dernier grimpeur. Le peloton roule fort, restez bien placé. Allez, parti.
Bali. Il se passe pas grand chose. Il n'y a pas quelqu'un qui veut animer la course en attaquant. L'échappée accélère le rythme en tête de course. Elle compte pas se laisser rattraper comme ça. L'écart reste stable entre le peloton et les échappés. L'avance de l'échappée diminue. Ça va être difficile pour eux.
Les équipiers accélèrent. Et sûrement pour préparer le sprint intermédiaire. Ce sont les 15 premiers qui marqueront des points lors du sprint intermédiaire. Le premier empochera 20 points. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Le maillot vert ne changera plus aujourd'hui. Le leader a assez de points d'avance. Les coureurs entrent maintenant dans la zone de ravitaillement. Ils vont pouvoir récupérer de quoi s'alimenter. Les équipiers roulent pour protéger le maillot. Une minute trente de retard pour le peloton sur la tête de course. Les hommes de tête ont encore de la ressource. Ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller au bout. L'échappée a peu de chance d'aller au bout, les gars. Faites attention au contre. Dernier pointage avec l'échappée, une minute.
Classement grimpeur dans 2 km pour l'échapper. L'échappée résiste bien au retour du peloton. L'écart semble stabilisé. Voilà le classement du dernier grimpeur. Il est lâché. L'étape est finalement trop dure pour lui. Devant, c'est le mieux placé au général. Secondes d'avance pour la tête de course. Thank you.
tombe sur la pistolette. Go, go, go! L'écart grandit, mais pas d'inquiétude. Ils sont mal placés au général. De retard pour le peloton sur la tête de course. Le peloton roule fort, restez bien placé. Il a demandé à ses gars d'assurer le tempo. Surveillez-le. Il doit se sentir en mesure de gagner l'étape. L'échappée a peu de chance d'aller au bout, les gars. Faites attention au contre. Dernier pointage avec l'échappée, une minute. Nous entrons maintenant dans la dernière partie de cette étape. Les échappés vont longer le littoral et bientôt attaquer la côte de Saint-Sauveur. Classement grimpeur dans 2 km pour l'échapper. Les échappés tiennent toujours tête au peloton au pied de la côte de Saint-Sauveur, mais il serait quand même étonnant de les voir résister jusqu'à l'arrivée. L'échappée ira sans doute au bout, les gars. Faites gaffe quand même aux attaques dans le final. Pour l'instant, c'est lui le maillot jaune virtuel.
Changement de leader en tête du classement du meilleur jeune. Attention à lui pour le général. On doit le prendre en chasse. Attaque en tête du peloton. C'est pas le moment de se regarder. Le dernier kilomètre, eh bien ça va se jouer au sprint puisque personne n'a réussi à s'isoler en tête. Thank you.